J'étais plus sur le coup. Mais regardez, à chaque fois que vous m'entendrez dire rrr, vous n'avez qu'à juste dire chant. Eh bien, il y avait une fois des papillons qui ont entendu parler du feu. Mais c'est quoi le feu? On n'en a jamais vu dans notre contrée. Et ça s'est répandu telle une traînée de poussière. Les mouches ont relayé parce qu'ils avaient l'habitude d'aller chez les humains et voir comment ça se passait. Alors rapidement, les papillons avaient décidé de s'organiser. Leur chef a dit, voilà, nous allons faire quatre groupes, quatre équipes. Chaque équipe ira savoir ce que c'est que le feu. Le premier groupe est parti. Le groupe s'est arrêté à 500 mètres du feu et est retourné. Il a fait son rapport. Le deuxième groupe est parti. Il s'est arrêté à 200 mètres du feu. Il est retourné. Il a fait son rapport. Le troisième groupe est parti. Il a survolé le feu. Il est retourné. Il a fait son rapport. Le quatrième groupe. Pourquoi vous riez? On va voir si vous avez trouvé. Alors le quatrième groupe est tombé dans le feu. Mais quand ils sont tombés dans le feu, je vous assure, bon, on ne va pas dire qu'ils sont morts. Parce que ce feu, au-delà d'être un feu qui brûle, c'est un feu qui apporte de la richesse. Ces papillons ont découvert ce feu et ils sont restés jusqu'à maintenant. Ce sont eux qui sont sortis pour aller raconter aux autres ce que c'est que le feu. Voilà, juste pour vous dire, voilà, on est venu à une conférence, on a entendu beaucoup de choses. Tout dépendra de la distance à laquelle vous voudrez vous arrêter. Mais choisissez la meilleure, accompagnez ce qu'on vous dit. Merci.